details about the Bureau of Paranormal Research and Defense. I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du bprd.centerblog.net. Alors on va dire émission contradictoire, puisque bien que blog consacré à Hellboy, nous allons parler de l'un de ses confrères, Spawn en l'occurrence. Ça se voit au petit logo qu'il y a sur la boîte. Donc vidéo unboxing, vous le savez déjà, ou plutôt vous l'avez déjà deviné, consacré au déballage d'une statuette Spawn. Donc on ne va pas perdre plus de temps, je pense, quoique je serais bien tenté de vouloir perdre du temps parce que ma foi, je suis très content et très enthousiaste à l'idée d'avoir cette pièce. Et puis bah à l'idée de voilà de faire cette vidéo unboxing et que vous la voyez. Donc allez, perdons pas plus de temps, on va donc ouvrir ce magnifique paquet, ma foi. Donc pareil hein, que pour la statuette Spawn Batman, ou bien la statuette du Goon, ou bien encore la statuette de Starman. Si je me suis payé, offert une résine de Spawn, au-delà bien sûr, au-delà du fait que j'aime bien le personnage, c'est surtout avant tout parce que il y a eu un crossover entre les deux, on va dire, univers Spawn et Hellboy. Donc bon, crossover ayant lieu via une illustration peut-être, mais crossover quand même, ce qui a été dessiné par le très très grand Mike Mignola. Et puis n'oublions pas que Mignola a également dessiné l'une des variantes cover du 100e numéro de Spawn. Bon, je sais que maintenant on est arrivé au 200e, mais n'empêche que le 100e a été dessiné par Mignola, entre autres. Ok, donc voilà comment ça se présente. On ouvre, et voilà ce qu'il y a dedans. Hop, il y a ceci qu'on va mettre là. Là, il y a une enveloppe. Voilà, il y a une enveloppe. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, apparaît. Et ouais, le logo du copain Al Simon. Et voilà ce que cela nous donne. On va donc retirer le plastique qui protège la boîte. Et nous allons voir tous ensemble comment ça se présente à l'intérieur. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est super léger. C'est vraiment super, super léger. Et que la boîte, bah putain, elle est vraiment belle. Elle est vraiment très, très belle. Ça change de la boîte. Puis ça glisse. De la boîte Spawn Batman qui était, ma foi, assez simple dans son visuel, dans son design. Donc voici la face avant, donc on sur un magnifique fond bleuté, gris, blanc. Nous avons donc le logo de Spawn, le nom de cette statuette, donc The Beginning, le commencement, le premier Spawn enfin en résine. On dit certains au moment de la sortie de cette statuette, surtout que ça faisait longtemps que McFarlane Toys n'avait pas fait de résine. A hand-painted cold cast statue, donc une statue peinte à la main en résine, et donc un magnifique dessin de Spawn, juste là. Ouais, très, très simple, très classe, mais très sobre, mais surtout très classe. C'est ça vraiment qui est important à retenir, c'est que c'est sobre, mais classe. Et écrit à la main, 423 sur 900, donc oui, donc c'est une pièce limitée à 900, donc on frôle les 1000, on frôle la grosse quantité. Mais on reste dans un truc bien, bien sympa et bien funky. Donc hop, sur le côté, a limited edition statue, donc une statue en édition limitée. Le dessus, je vous l'ai déjà montré. Et derrière, ma foi,
beaucoup de choses à dire sur ce qu'il y a derrière. En 1991, lorsque Image Comics a été créé par Todd McFarlane et six co-créateurs, donc six copains à lui, les nouveaux fondateurs ont vite réalisé qu'ils avaient besoin d'un support promotionnel pour leur tout nouveau characters, donc leur tout nouveau personnage. La création de cet artwork de Spawn est devenu le commencement pour McFarlane et le Spawn Universe. D'accord, ceci explique donc cela. Et puis là, une petite interview de Todd McFarlane. J'ai dessiné cet artwork de Spawn le premier jour que nous avons formé Image Comics. C'est le tout premier Fledged, je sais pas ce que ça veut dire. Spawn Promo Piece, donc c'est la toute première pièce promotionnelle de Spawn. Et la première pièce qui a jamais été imprimée pour le public avec le personnage de Spawn dessus. Ceci est la nouvelle image de Spawn dessinée. Non, c'est la seule. Pardon, c'est la seule image de Spawn dessinée en 1991. Signée Todd McFarlane. Ah, vraiment stylée la boîte. Elle est vraiment, vraiment stylée. On a tout ce qu'il faut savoir dessus. Ensuite, donc cette édition limitée, peinte à la main en résine, est une représentation en 3D de son personnage Spawn pour le public en général. Ok, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Alors, ce travail d'art n'est pas seulement des captures de la pose de Spawn, mais est aussi un moyen cool de présentation de la cape, voilà, c'est ça. Qui donne à Spawn et aux panels comics, je sais pas, qui donne à Spawn une signature cool. Voilà, on va dire ça comme ça, donc limité à 900 pièces dans le monde. Donc 9 pouces de hauteur et 10 pouces 5 de largeur et 5 pouces 5 de profondeur. Et donc là, regardez bien, parce que donc ça n'est pas expliqué via texte, mais ça l'est expliqué via image. Regardez bien donc ces deux images-là. Donc nous avons ici, regardez, 1 sur 900. Une plaquette couleur, on va dire, bronze, avec marqué donc Spawn's Beginning et la signature de Todd McFarlane. Là-dessus, nous avons 301 sur 900, une plaquette noire et juste avec le titre de la statue. En fait, il y a deux statues, il y a deux éditions de la même pièce, comprise donc sur ce panel de 900 statuettes. Donc, une Signature Edition et une Regular Edition. La Signature Edition étant limitée à 300 pièces sur 900 et la Regular Edition étant limitée à 600 pièces sur 900. Donc, si vous achetez cette statuette et que son numéro de série se trouve être entre 1 et 300, bah, c'est la Signature Edition. Et si c'est entre 300 et 900, bah, c'est la Regular Edition. En sachant que cette statuette est sortie en novembre ou décembre 2011, donc tout récemment, La Regular Edition ne vaut quasiment rien, ne vaut vraiment pas cher pour ce que c'est. Parce qu'en même temps, vous me direz, regardez la taille de la boîte, c'est vraiment une petite pièce. Par contre, pour ce qui est de la Signature Edition, alors par contre, accrochez-vous les mecs, parce que là vous allez douiller. C'est de l'ordre de 350$, alors que c'est sorti il y a 3 mois. Voilà, en grosso modo entre 250 et 300 euros juste pour avoir la signature sur la plaquette de Spawn. Et également, il y avait ceci avec cette statuette. Donc, dès que vous achetez cette statuette en passant par le site Todd McFarlane, eh bien, vous avez en cadeau, ceci, deux magnifiques comic books, histoire d'être à fond dans l'univers et dans le personnage. Donc, un comics, j'ai pas envie de foutre des traces de doigts dessus. Un comics du premier numéro de Spawn par Image Comics. C'est pas tout jeune tout ça. Et le deuxième numéro. Donc alors bien sûr, ce sont des rééditions, faut pas déconner, c'est pas le numéro d'origine, ce sont des rééditions, même si tout a été fait pour nous faire croire que c'est des numéros d'origine. Donc voilà, dès que vous achetez cette pièce, donc en passant directement par le site de Todd McFarlane, McFarlane Toys, et ben en cadeau, vous aurez avec la limited, la signature et la regular edition, vous aurez donc deux comics Spawn. Ça fait, ma foi, super plaisir. Donc, maintenant, on va voir ce qui est à l'intérieur, ma foi. Qu'en pensez-vous? What the hell are you? Oh.
On va ouvrir doucement et délicatement, hop, la boîte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tac, on ouvre. Voilà. Donc, polystyrène. Allez, méthode flambie. Hop. Voilà. Méthode flambie. Il n'y a que ça qui marche. Donc ça, on le met là. Donc ça, c'est le bac. Et ça, ah ouais, stylé. Avec le logo de spawn sur polystyrène, c'est vraiment stylé. Donc, allez, zou, on va ouvrir. Voilà, sur le côté. Ok, donc ça y est, on a réussi à l'ouvrir et... Ah bah c'est super beau, regardez, bah vous voyez de là où vous êtes, c'est... ça pue, mais c'est super beau, donc une pièce vendue en deux pièces, ma foi, on va le dire comme ça, donc le socle et la statuette. Oh, je suis tout fébrile à l'idée de prendre cette pièce dans mes doigts. Que fais-je? La prends ou je ne la prends? Je vais pas. Je vais la prendre, je pense. Hop! Donc, on retire le socle de la Regular Edition. Si j'avais gagné au loto, je me serais offert deux Limited Edition. Mais là, et pas suffisamment. 250 euros pour une signature, faut vraiment la vouloir, cette statuette. Donc, voilà ce qu'on a au dos. 1992-2011, Todd McFarlane Production. 2011 TMP International, fabriqué en Chine, et un numéro de série qui commence par CW. Ouais. Et voilà le socle sur le dessus. Donc le logo de Spawn, Spawn The Beginning, et 423 sur 900. Un socle qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser, en tout cas qui me ramène beaucoup à la statuette noir et blanc de Batman. C'est un petit peu, je trouve, le même délire, le même principe, le même concept. Allez, viens là, mon petit bonhomme. N'aie pas peur. C'est ta nouvelle maison ici. Tu vas être bien. Tu vas être chouchouté. On se racontera des choses la nuit. Allez, n'aie pas peur. Sors de ton trou. Sors de ta boîte. Et voilà. Tac, tac, tac. Donc, je vais mettre ça ici. Ça ici. Donc, ça, je vais le refermer. Voilà, en mode barbare. Je vais poser donc. Le socle, hop, sur le logo de Spawn. Et puis donc, voilà. Voilà le bonhomme. Voilà le bonhomme. Donc, on a deux petites encoches. Là, on a deux petits trucs. Regardez, voilà, on a deux petites tiges en métal. Hop, on plante ça dans le socle. Pour que ce soit bien. Voilà. Donc là, c'est la première fois que je le mets, donc c'est un petit peu de résistance, mais voilà, c'est fait. Et voilà le travail, voilà le résultat final. Et ben ma foi, c'est plutôt cool, c'est même plutôt joli. Nous voici pour un petit tour, ma foi, rapproché de cette statuette. Donc, pièce numéro 423 sur 900, plaquette Spawn The Beginning, socle qui rappelle beaucoup celui de la gamme de statuettes Batman noir et blanc, sur lequel est posé notre Spawn dans une pose, ma foi, très statique. Et en fait, bah, c'est la cape. Voilà, c'est la cape qui donne tout son dynamisme à cette pièce, donc pièce en résine. Le travail sur la peinture est, ma foi, vraiment bien fait, ainsi que sur la sculpture et la texture de la matière, du matériau, devrais-je dire. Parce que la cape donc, possède un aspect vraiment, vraiment rugueux, contrairement à la statuette. On voit vraiment la cape et la statuette, les textures, regardez, vous voyez,
textures sont pas les mêmes. Donc ça c'est vraiment sympa, la couleur est vraiment bien faite. Passe du rouge clair au rouge foncé. La sculpture, pareil, bien. Non, vraiment bien foutu. Vraiment bien foutu. Hop, spawn. Donc le spawn originel, le tout premier spawn. Et là, donc là, voilà, regardez. Vous avez vu la chaîne derrière. La chaîne derrière, elle bouge. Donc elle commence là, elle fait le tour de la taille de spawn et remonte dans son dos. Donc pas très grande. Vraiment, vraiment petite, assez longue, due à la cape qui déborde du socle, peu profonde, peu grande, vraiment une petite pièce d'appoint. Donc concrètement, cette pièce-là, vous la trouvez aujourd'hui pour moins de 100 euros. Donc je parle bien sûr de la Regular Edition, pour moins de 100 euros sur le net. Et bah, comme je l'avais dit, la Limited Signature Edition, par contre celle-là, comptait douiller entre 250 et 300 euros. Et plus le temps passe et plus le prix bah, augmentera quoi. C'est même pas question de dire plus le temps passe et plus le prix est parti pour augmenter. C'est non, le prix augmentera en fonction des jours qui passeront. Donc bah, ma foi, voilà ce que je peux dire là-dessus. Sinon, à la limite, ça là, là vous verrez mieux. La boucle de ceinture avec le crâne argenté de spawn. Par contre, là c'est vrai que ça fait pas terrible. On sent que ça a été, regardez bien, on sent que ça a été collé. Sur la statuette, que ça n'a pas été sculpté avec, mais plutôt coulé. Puis en plus de ça, la peinture, la couleur choisie pour la peinture est vraiment, elle est vraiment trop flashy. Ça fait vraiment gris argenté métallique. Donc c'est vraiment pas terrible. Et idem pour les deux qui sont juste là, c'est pas fondu dans la statue. Vous voyez, par exemple, la cape a été rajoutée sur la statue, mais ça se fond avec la statue, donc ça passe nickel chrome. Par contre, là, ces deux petits bidules plus la boucle de ceinture, ça passe absolument pas. Contrairement à la chaîne qui, elle, est en plastique et qui fait raccord avec tout le reste. Mais ça, non. Ça ne passe pas. Et dommage. Là, le seul petit, on va dire, bémol de cette statuette. Sinon, bah, la pose est vraiment, vraiment fun. Elle est vraiment fun. Sauf que là, je suis en train de me poser une question. Le vent est censé souffler de quel côté, en fait? Parce que le haut de la statuette, ça souffle d'un côté, ça souffle vers la gauche, et le bas de la statuette, donc le bas de la cape, ça souffle vers la droite. Il faudrait juste que le vent se décide, que la que France Météo, Météo France soit d'accord et nous dise dans quel sens tourne le vent, parce que là, du coup, non, c'est pas possible. Voilà, physiquement parlant, c'est pas possible, messieurs, météorologiquement parlant, ceci est une hérésie. Voilà, j'avoue, pareil, là, je suis un petit peu, je sais pas, je me dis merde, vent qui souffle dans les deux sens, à moins qu'il soit, je sais pas, entre deux ventilateurs ultra puissants, un en haut et un en bas, mais là franchement non. Et donc le dos de la statuette, donc là pareil, hein, le vent qui a du mal à se décider, ça pousse d'un côté, ça pousse de l'autre côté, enfin, enfin mais sinon c'est bien fait. Hormis ces deux petits détails, le sens du vent et les deux petits trucs, les deux petites conneries qu'ils ont rajoutées sur le costume de spawn, la sculpture est vraiment bien faite. Regardez comment ils ont donné le rendu, en sachant que le dos de spawn n'existait pas sur le dessin, parce que le dessin était en 2D, et que donc Todd McFarlane a imaginé l'arrière de spawn en sculptant la pièce. Non, franchement, c'est, regardez tous les plis, on imagine vraiment la cape qui doit peser 300 kg dans les bas mots. Non, c'est vraiment super bien fait. Non, j'aime beaucoup, la sculpture est vraiment bien faite. Todd McFarlane est un putain de sculpteur, au même titre que Randy Bowen et consorts. Et on a tendance à l'oublier, on pense toujours à Todd McFarlane, le dessinateur, le businessman, le producteur, ou le mec qui a lâchement vendu les droits de Spawn pour le film avec Michael J. White et Martin Sheen. Mais Todd McFarlane est également un putain de sculpteur, et j'avoue que cette pièce le réhabilite un petit peu dans ce rôle-là, ou plutôt dans cette casquette qu'il ne porte que trop rarement, puisque je ne sais pas de quand date la dernière pièce Spawn, mais à ce que j'ai pu lire ici et là sur le net, lorsque l'annonce a été faite de cette pièce, donc Spawn The Beginning, le tout premier Spawn en statuette, bah dans la communauté comics et la communauté Spawn, le premier, on va dire, le premier retour a été, bah putain, enfin une résine de Spawn, ça faisait super longtemps. Et ben là voilà, ma foi, elle est vraiment, vraiment stylée. Ugh!
creature like you. All the rules have changed, Hellspawn. Heaven wants to win. Je profite également de cette vidéo dédiée donc au déballage de cette pièce de Spawn pour passer un petit coucou à monsieur Nergamic. Nergamic, ce message est pour toi, ce coucou est pour toi, cette vidéo est pour toi, spéciale dédicace. Nergamic, le PDG d'un blog intitulé, si vous ne le connaissez pas, Histoire de Super Pouvoir. Je mettrai l'adresse dans le descriptif de la vidéo. Pas de panique à avoir. De toute façon, vous googlisez le truc, vous le trouverez très facilement. Un blog que j'aime beaucoup, personnellement, un blog review comics, mais qui a la particularité, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je ressens, c'est comme ça que je le perçois, de traiter, on va dire, de comics un peu oubliés. On va dire, de comics un peu oubliés ou de comics pas forcément bankable. C'est qui fait vraiment partie des artisans de la blogosphère dédiée aux comics comme moi, comme d'autres blogs, ma foi cool, dont je parlerai dans d'autres vidéos. Il fait vraiment partie des artisans, des petits ouvriers qui parlent des personnages et des séries, on va dire, honteusement oubliés par les grosses machineries, les grosses industries du net, vraiment les gros blogs qui ne parlent que de ce qui est vendeur, puisqu'il faut vendre, il faut rassasier ses visiteurs en parlant de ce qu'ils veulent entendre, et les séries qui ne se vendent pas, ou les séries qui sont un petit peu en marge des grosses séries, on les délaisse volontairement parce que ça n'intéressera pas le public. Et la petite communauté, la petite blogosphère comics le fait. Et donc Nergamic le fait, ma foi, très bien. Moi, je me régale à chacune de ses reviews où vraiment il raconte le comics et il donne son avis avec donc bien sûr des scans, des extraits, la couverture. C'est vraiment super bien foutu. Allez faire un saut là-bas, c'est un ordre. Allez jeter un œil, éclatez-vous bien. Nergamic, merci à toi mec pour ton soutien et encore un coucou. Salut mec, coucou directement à travers la vidéo, à travers ma caméra avec mon ami Spawn. Spéciale dédicace pour toi, je ne pouvais que sauter sur l'occasion. Et puis voilà, vous savez tout. Donc en attendant, je rends l'antenne et je vous dis donc à la prochaine sur le bprd.centerblog.net. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous, faites pas les fous, et à la prochaine. Ciao ciao, salut tout le monde, salut. Allez, dis au revoir aux gens.